Et c'est parti, nous sommes sur le Vélodrome Yvon et Marc Madio. J'ai un peu peur des virages parce qu'ils sont super aigus. J'ai fait un tour et demi, je commence à être un petit peu mal. J'ai pas de sucre. Bon, on va finir ce tour par un lever de bras. Un jour, je serai sûrement maire ici. Poussez-vous ! Je crois que j'ai repéré la sœur Madio et de loin hein, déjà, donc c'est un signe. Il y a une personne avec une perruque, un sifflet et des drapeaux. Ça me fait un peu peur. Hein. C'est une Madio quoi, ça me fait peur en général les Madio. FDJ, 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 FDJ. Alors votre prénom déjà? Laurence. Ok, on le refait. Salut Laurence. Salut, comment tu vas? Ça va? Bon écoute, super. Suis. Chapeau. On va faire une pause. C'est pas vraiment l'heure de la pause, mais bon. Et bien à un moment donné, si le réalisateur ne sait plus s'il est mâle ou femelle, ça montre que peut-être qu'il lui faut un sucre. Donc on va faire une pause. Vous pouvez laisser rouler tout seul devant, aucun relais. On l'applaudit. Ouais. T'as fait combien toi? Deux. Ah, 10 mètres de plus t'avais. Bah ouais, et puis 1 km de plus et je repasse dedans. Ah ouais, oh. C'est ça, on a fait le jeu. Ah, oh, tu me gênes toi petit là, oh, oh. Allez, vous levez les mains. Pareil, vas-y. Ouais. Ouais. Oh, j'ai pas envie. Là, si t'as pas compris, c'est que c'est Marc Madio qui arrive. Regarde les sœurs, regarde les sœurs. Ah, c'est la guerre. Là, c'est là où je vais tester tes facultés à te battre au milieu hostile. Ah oui. Mal au bras. Non, mais relève. Relève. Allez. Françoise. Depuis tout à l'heure, Alexandre. Depuis tout à l'heure, je te cherche. Je suis toujours là. Je cherche la grande sœur, la grande sœur Madio. Parce que j'ai eu la plus petite, mais la petite, elle est énervée. Ma sœur qui était ici, infirmière à domicile, elle allait chez les gens, donc elle s'occupait des gens malades. Et quelquefois, elle m'a dit, tu sais, c'est extraordinaire la présence de Marc et d'Yvon dans les familles de Renazé, puisqu'on trouvait quelquefois au pied de l'escalier des photos de Marc et d'Yvon accrochées au mur, et moi, j'en reviens pas encore aujourd'hui, et des gens qui étaient tellement seuls, qui le soir, en allant se coucher, disaient, mais au revoir Marc, au revoir Yvon, à demain. Et en fait, ils occupent, je crois, le cœur des gens de Renazé, parce qu'ils représentent le succès, c'est-à-dire on peut partir de bas peut-être, mais dans la vie, à force de travail et de passion, et on peut arriver très haut, pas très haut au niveau de la célébrité, mais très haut dans le cœur des gens. Et ça, vous savez, ça n'a pas de prix. Merci Françoise. Merci pour tout.